papa aimait le bleu? Ouais. Wouh! Tu vas pas être? Qu'est-ce que tu fais, Gégé? Les crêpes bleues! Les crêpes bleues! Cheese! Fais-tu un peu de sirop? Bon matin! On est rendu lundi matin, j'allais dire dimanche matin. Comme vous pouvez voir ce matin, belle petite matinée mouvementée. On a fait des crêpes. Gégé voulait qu'il soit bleu, fait qu'on s'est bien amusé. Belle petite tradition à la maison. C'est rien d'extravagant, mais c'est tellement... Crêpe bleue! Ouais, crêpe bleue. C'est tellement quelque chose qui fait plaisir. Puis ça met de la couleur dans nos assiettes. Et puis là, on est sorti dehors pour profiter du beau temps. Aujourd'hui, on va prendre ça un petit peu plus relax. On vient d'installer la petite cabane à moineaux. C'est une cabane à moineaux que Boyfriend et moi, on a genre peinturé ensemble. Il y a comme 7 ans. Puis on l'a toujours gardé. Puis là, ben, on l'installe enfin. C'est cute. Fait que je l'ai mis après le jardin. Je trouve ça quand même mignon. C'est un peu kitten, mais c'est bien parfait. Sinon, les plans aujourd'hui, ce serait de profiter dehors, relaxer un petit peu. J'ai coupé un premier melon d'eau de l'année ce matin, fait qu'on va bien manger une collation de melon d'eau aujourd'hui. Et sinon, on a un petit treillis à poser, puis j'aimerais ça retourner à la pépinière, acheter qu'est-ce qui me manquait. Il me manque vraiment pas grand-chose, là, mais une ou deux fleurs, basilic, ciboulette, tomate italienne. C'était pas mal ça, je pense. J'ai fait une liste dans mon téléphone. Mais après ça, l'arrière de la maison, les plantations, ça va être fait. Ça a été productif comme week-end. Fait que c'est pas mal ça. Nous, je pense qu'on va se refaire des petits cafés. 4. Chaque. Ouais, 4 chaque. Je viens de penser qu'aujourd'hui, je crois que les parents boyfriend viennent chercher un meuble de jardin qu'on donne à quelqu'un. Fait qu'il va peut-être falloir faire un petit peu de ménage dans le cabanon puis sortir ça. Ouais, fait que l'année passée, j'avais acheté ce beau gros pot-là du IKEA. J'aimerais bien le remplir pour mettre comme ici à côté du sofa. Sinon, je vais acheter une ou deux fleurs pour mettre un petit peu ici, mais vraiment pas gros, là. Puis, on veut installer le treillis ici, puis planter les autres affaires dans le jardin. Alors, pour dîner, on a décidé de se faire nos restants de deuil, mais d'une manière spéciale. En fond, on va les faire avec de la guacamole, du queso, de la coriandre, petite genre de sauce, tomate, oignon, des tomates. Ça va faire des genres de hot dog mexicains. On va tester ça. C'est l'idée de boyfriend. Quel révolutionnaire. Est-ce que c'est bon, Gégé, le melon d'eau? Oh, melon d'eau et ketchup. Quel bon mix. On vient de finir de manger et de coucher Eugène pour sa sieste. C'était tellement bon, les genres de hot dogs spécial avec la guacamole, la coriandre, les tomates puis tout là. J'ai full trippé. C'est sûr qu'on refait ça cet été. Et vous l'essayerez si jamais vous avez le goût. Ça fait vraiment changement d'un hot dog classique. Puis je sais pas, c'est frais avec les tomates et tout. Puis même genre pas de saucisse, ça aurait été bon comme un genre de sandwich chaud de tomates réinventé. J'aurais pu mettre du maïs puis tout. Bref, ça m'inspire plein de petites idées de repas. Puis là, c'est ça, on vient de coucher Eugène pour sa sieste. Puis je vais en profiter pour aller à la pépinière. Je vais y aller toute seule chercher mes affaires. Pendant ce temps-là, boyfriend, on va commencer. Dans le fond, on a une brouette qui reste de la terre dedans. Fait qu'on va la vider à l'avant. Une plate-bande qu'on veut enlever à l'avant du terrain. Mais il faut rajouter de la terre pour ressemer du gazon. Puis il va pouvoir redonner la brouette vu que c'est à ses parents. Puis ils viennent chercher le même comme je vous disais ce matin. Fait qu'il va commencer à faire ça. On a aussi une petite réparation en avant de la maison à faire là, sur notre vinyle. Fait qu'il va peut-être faire ça aussi pendant que je vais à la pépinière. On est un petit peu plus tard finalement. Je ne vous ai pas filmé quand j'étais à la pépinière ou quand je suis revenue parce qu'on a eu de la visite. Les parents de boyfriend sont venus faire un tour, sont venus chercher la table de patio qu'on parlait, qu'on donne à quelqu'un. C'est ça, ils sont aussi partis avec le truc de compost que je vous disais qu'on donnait aussi.
Et donc là, boyfriend est en train de pelleter le reste de compost qu'il y avait dans le fond. Ça va être une bonne chose de fait. Ça fait tellement longtemps qu'on veut l'enlever. Puis c'est ça, je vais vous montrer c'est quoi que j'ai acheté à la pépinière. J'ai déjà planté le trois quarts. Mais je vais vous montrer ça. Donc premièrement, j'ai rajouté de l'origan italien dans le jardin. Je me suis dit que ça allait être full le fun pour les genres de boulettes, les sauces à spag. Quand on se fait aussi des crèmes de tomates maison avec les tomates italiennes que j'ai achetées, ça va être parfait. Là, j'ai rajouté aussi un basilic. Ça va être trop bon pour un peu les mêmes raisons. J'ai rajouté un plant de tomates italiennes, puis de la petite ciboulette slash oignon vert. Fait que pour leur jardin, c'est pas mal ça. Là, comme vous pouvez voir, les plants font dur parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui. J'ai essayé d'arroser ma terre le plus possible, mais je veux pas non plus arroser les plantes puis qui brûlent à cause de l'eau au soleil. Fait que, en tout cas, j'ai essayé quand même d'arroser ma terre le plus possible, mais là, je vais attendre que le soleil soit moins fort puis qu'il se couche, puis je vais tout arroser bien comme il faut. Ça va faire du bien. Puis sinon, pour les fleurs, je vais vous montrer ça. J'ai racheté une géranium comme ça ici, rose pâle et fuchsia. Puis sinon, j'ai acheté ces belles fleurs bleues pâles là que je vous parlais, que je tripais dessus puis que j'avais en tête. Puis j'ai acheté aussi des petites azalées comme ça, blanches. Puis j'ai fait un pot. J'ai fait un arrangement floraux moi-même dans ce pot en terre cuite là du Ikea. Je trouve que ça fait vraiment beau, vraiment délicat. J'aime full le mix des couleurs. Puis sinon c'est ça, il restait un géranium d'hier pour cette plate-bande là. Fait que ça c'était dans ma batch d'hier. Puis pour aller avec ça, j'ai racheté un peu comme j'ai mis dans le pot là. Là c'était un gros caisson de petites azalées blanches. Puis ça ici, qui a des œillets de Chine, c'était une crête couleur mélangée. Fait qu'il y en a des blanches, des fuchsia, puis des blanches et fuchsia, puis des roses plus pâles. Je trouvais que c'était vraiment beau. C'est plus haut, ça fait changement. C'était vraiment pas cher là, ça. Puis ça, c'est un petit peu plus économique parce que les géraniums, ça revient quand même dispendieux. Puis en plus, c'est ça, ces belles fleurs là, les œillets de chêne, ça attire les papillons. Fait que je me suis dit que ça allait être parfait, ça va attirer les papillons. Déjà qu'on en a pas mal pour cette année dans la cour. Fait que ça va être ça que je vais mettre dans la plate-bande qu'il y a là. Puis on s'est dit, boyfriend et moi, qu'on n'allait pas faire le projet là, de mur d'intimité cette année. Ça va aller à l'année prochaine parce que mine de rien, ben c'est ça, ça monte vite le budget court, ben le budget terrain extérieur de la maison, là, ça s'épuise vite. Donc on en a quand même avancé pas mal là, cette année. Là, la cour est de plus en plus à notre goût puis tout. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même beau. Là, c'est sûr qu'on a hâte de le faire, le mur d'intimité, puis de cacher ça. Mais tu sais, on s'en fout. Là. On vit pas dans décor mag. Fait que là, il fait vraiment chaud. J'ai pris ça plus mollo aujourd'hui, là. Mais il va me rester toute cette plate-bande-là à faire, placer mes roches. Puis j'aimerais ça peut-être aussi faire deux autres petits pots pour en mettre un sur la table. Mais je pensais peut-être les spray paint bleus. Ou peut-être en garder un vert puis en mettre un bleu. On a de la cacane bleue. Puis j'ai trippé bien sur le bleu, puis on dirait que j'aime ça mettre de la couleur. Puis comme je vous disais, le bac à jardin ici au sol où on a mis les citrouilles, j'aimerais ça le peinturer. Puis possiblement que j'aimerais ça mettre du bleu. Fait que je me dis que ça pourrait faire comme un pop de couleur. Et je vais peut-être faire ça avant de planter des fleurs dedans. Alors là, on a un petit Gégé qui joue dans l'eau. Je l'ai arrosé un petit peu, on remplit sa brouette d'eau. Là, il joue dans de la boîte. Une table d'eau, on va se le dire, c'est plus souvent une table de boîte qu'une table d'eau. Mais il y a bien du fun, puis c'est tant mieux. Je m'enligne pour faire mes plantes, puis sinon, on va faire sa petite chaise bleue aussi. Puis un petit pot, puis un gros pot. C'est ce bleu-là qu'on va prendre. Bleu français satiné de Rustoleum. Voyons, c'est bien dur à dire. Rustoleum. Fait qu'un beau petit bleu. Passion bleue se poursuit. Ouf! Je viens de terminer la plate-bande. Il va me rester comme à nettoyer. Là, je suis en train de placer les roches. Les fleurs commencent vraiment à avoir de la misère tellement il fait chaud. Puis Eugène a essayé de m'aider. Mais autant il est bon avec tout ce qui est terre, faire des trous. Il mettait l'engrais, mais en tout cas, il est pas très délicat avec les fleurs, mettons. Fait que, il y en a une couple qui ont mangé à claque, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Puis sinon, les pots bleus, j'aime full ça. Ça fait full coloré puis tout. J'aime quand même full le mix du vert, du bleu, puis du crème, puis tout ça. Je pense que ça va être super beau. Puis ça aussi, là, il faudrait que je rajoute de la terre, mais honnêtement, je suis brûlée. Ça ne me tente pas d'aller chercher d'autres terres.
puis ça aussi, là, les fleurs, ils commencent à faire dur. Mais c'est ça, je rajouterai de la terre plus tard, puis je suis pas inquiète que les fleurs, dans une couple de temps, ils vont reprendre le poil de la bête. Puis sinon ici, je sais pas si on voit, mais boyfriend a commencé à spray paint la petite chaise. Dans le fond, c'est ça. On va la mettre bleue aussi, comme je disais. Mais pour que ce soit durable, on va l'amener au garage pour que le papy de Eugène puisse la clearer. Le papy Eugène. Ouais, le papy à Eugène. Fait que c'est pas mal ça. Yeah, yeah. On est un petit peu plus tard. On a soupé, comme vous avez vu. Finalement, on s'est fait venir de la pizza. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais après avoir full travaillé et tout. Nous qui devions prendre ça relax aujourd'hui. ça a été la journée la plus brûlante finalement aujourd'hui avec le soleil là, qui tapait. Puis c'est ça, il était rendu vraiment tard. Fait que j'ai dit à boyfriend, on fait pas de vaisselle puis tout ça en plus. Fait qu'on a commandé de la Salvatore. Puis c'était vraiment bon pour vrai. Et là, Eugène est couché. Puis j'ai pris ma douche, boyfriend aussi. Ça a tellement fait du bien après avoir travaillé comme ça dans la terre et tout là. Puis j'ai pris du soleil pas mal. Là il me reste à arroser toutes mes fleurs, mon jardin et tout. Puis sinon on va relaxer dans le sofa pour finir cette journée. Puis après ça va être la semaine qui commence. C'était tellement un beau long week-end, ça l'a vraiment fait du bien. J'espère que vous en avez profité vous autres aussi. D'ailleurs, je tiens à préciser là, pour le jardin puis toutes les fleurs là, que je suis vraiment pas une pro, loin de là. C'est vraiment comme pour le plaisir. Puis surtout au niveau du jardin, j'ai lu beaucoup par contre. J'ai essayé de lire le plus possible sur internet, essayer de faire des combinaisons de qu'est-ce qui va avec quoi pour bien placer mes affaires. Je suis allée avec l'info que j'ai trouvée en ligne. Je suis vraiment pas une pro. Si jamais vous avez des conseils, que vous avez envie de m'en donner, gênez-vous pas. Puis je suis curieuse de savoir qui parmi vous ont fait un jardin ou ont planté des fleurs. Puis c'est quoi que vous avez planté, c'est quoi que vous avez fait. Et on pourrait se faire une petite discussion de ça, ça serait bien le fun. Sur ce, je vous dis bye, gros bisous, à la prochaine vidéo.